La vie des papillons, bien que d'apparence éphémère et solitaire, nous offre une métaphore subtile et profonde pour réfléchir sur la vie moderne que nous menons. Une existence souvent marquée par la solitude, la superficialité et la compétition. Ces créatures délicates, malgré la beauté de leur vol gracieux, incarnent une réalité qui résonne étrangement avec la nôtre. Les papillons, tout comme les êtres humains modernes, semblent évoluer dans un monde où les interactions sociales véritables se font rares, où les échanges ne sont souvent qu'un passage ou une nécessité temporaire. En observant la vie des papillons, nous remarquons que leurs interactions sont presque exclusivement fonctionnelles. Ils se retrouvent principalement pour la reproduction ou pour se nourrir. De même, dans nos sociétés contemporaines, nous nous réunissons souvent pour des objectifs spécifiques. Le travail, les transactions économiques ou encore pour satisfaire des besoins immédiats. Nous passons ainsi d'une interaction à une autre sans véritable connexion profonde. Comme les papillons, nous nous croisons dans la multitude, frôlant à peine la vie des autres avant de retourner à notre propre solitude, attachés à notre trajectoire. Pourtant, il y a quelque chose d'éminemment triste dans ce constat. Ce papillon, symbole de légèreté, de beauté et de transformation, nous montre malgré lui ce que nous avons perdu. Dans nos sociétés modernes, malgré l'illusion de la connexion permanente grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies, la profondeur des relations humaines semble se dissoudre, tout simplement. Nous sommes en contact avec le monde entier, mais combien de ces échanges sont véritablement porteurs de sens ? Allez, dites-le-moi. Alors que les papillons se regroupent en masse pour leur grande migration, ces voyages sont guidés par un instinct profond de survie, de continuité de l'espèce. Mais cet instinct, chez eux, n'implique pas de communauté durable, de partage d'expériences et de soutien mutuel. Nous aussi, humains modernes, avons développé cette capacité à nous regrouper pour accomplir des tâches spécifiques, atteindre des objectifs, bâtir des carrières, acquérir des possessions. Mais où est passé l'esprit de communauté, ce sens de l'entraide, du partage désintéressé ou de l'écoute attentive. En nous concentrant uniquement sur les objectifs immédiats, en restant rivés à nos besoins individuels, nous négligeons l'essence même de la vie en communauté. Essayez un petit peu de creuser ça. Ce constat pourrait nous conduire à une profonde remise en question. Les papillons, dans leur simplicité, nous poussent à interroger la direction que prend notre vie. Si nous continuons à nous comporter comme eux, en limitant nos relations aux seules nécessités, biologiques ou économiques, quel sens y a-t-il à l'existence ? Est-ce vraiment ce modèle que nous voulons suivre ? Celui du chacun pour soi, où l'on ne se rencontre que pour satisfaire des besoins passagers, avant de se disperser à nouveau dans la solitude? Le danger de cette dynamique que l'on pourrait appeler le syndrome du papillon est que nous finissions par vivre de manière superficielle, en nous montrant aux autres sans jamais vraiment nous ouvrir, en exhibant une façade de réussite ou en cachant un vide intérieur. Nos sociétés modernes sont de plus en plus hantées par cette quête du paraître. Le « m'as-tu vu » devient une sorte de nouvelle religion, un phare érigé dans la nuit de notre existence qui attire mais ne réchauffe pas. Nous volons autour de cette lumière, espérant y trouver une forme de reconnaissance, une validation de notre existence, mais en réalité, c'est un piège. Nous nous brûlons à la lumière de nos propres attentes. Et pourtant, comme les papillons, nous avons le potentiel de transformation. La chrysalide, cette métaphore puissante de la métamorphose, et vous voyez à qui je fais référence, pourrait nous inspirer à changer de cap. Plutôt que de nous concentrer sur l'apparence, sur cette course effrénée vers la réussite personnelle, il est temps d'envisager une vie plus réfléchie, plus communautaire. Sortir de la chrysalide, c'est aussi sortir de notre isolement, de notre égoïsme, pour nous tourner vers l'autre, non pas pour ce qu'il peut nous apporter, mais pour la richesse intrinsèque de la rencontre humaine. Voilà, une vie plus chaleureuse, plus communautaire ne signifie pas renoncer à nos désirs ou à notre individualité. Il s'agit plutôt d'intégrer une dimension philosophique à nos interactions. Cette dimension nous invite à voir chaque rencontre, chaque relation comme une opportunité de croissance mutuelle, de compréhension, de partage et de l'essence même de ce qu'est un être humain. Contrairement aux papillons, nous avons cette capacité unique de réflexion, de compassion, de créativité. Pourquoi la négligeons-nous ? Pourquoi privilégions-nous
toujours les relations superficielles, alors que nous pourrions construire des liens authentiques, profonds et durables. La chaleur dont nous avons besoin ne vient pas de l'illusion du « m'as-tu vu ?», mais de l'authenticité de nos relations. Une société plus réfléchie serait une société où chaque personne prend le temps de vraiment rencontrer l'autre, de dépasser les masques et les apparences pour entrer en contact avec ce qui est vrai et vulnérable en chacun de nous. Une société où l'on apprend à ralentir, à valoriser les moments partagés, à redonner du sens à la communauté. Alors surtout, j'espère que ces images que j'ai faites à Villars-les-Dombes, à la ferme aux papillons, ces images vous auront plu. Elles ont été malgré tout difficiles à faire parce qu'il faut s'approcher, il faut utiliser des objectifs qui s'adaptent à ce type de travail. Et ça m'a pris presque une journée. Donc profitez-en, appréciez les images. À bientôt, bonne journée.
Thank you.
Thank you.